La diversité faunique du fleuve est menacée par un bon nombre de facteurs, comme l'introduction d'espèces non indigènes, les niveaux d'eau et la température de l'eau. Les communautés de poissons jouent un rôle important dans le régime hydrographique du Saint-Laurent. Il y a plus de 100 espèces de poissons d'eau douce dans le fleuve, et depuis 20 ans, on a observé un changement important de structure de ces communautés. On est passé d'une dominance d'espèces pélagiques, comme la perchaude et la chigan, à une dominance d'espèces benthiques, comme la barbotte et la carpe. Le Dr Yves de la Fontaine attribue ce changement à une baisse du niveau d'eau et à la hausse de la température de l'eau. Au début, je pensais que c'était tombé. Nous l'avons rencontré au Vieux-Port de Montréal pour discuter des changements dans les communautés de poissons du fleuve. Il y a donc eu des interactions au niveau des communautés qui ont fait en sorte qu'on a eu un changement. Et actuellement, on a une image ou une structure du fleuve Saint-Laurent qui est différente de ce qu'on avait il y a 30 ans. On n'a pas perdu d'espèces, mais la proportion relative des espèces, elle a changé. L'introduction d'espèces non indigènes est attribuée au rejet des lestes de navires de haute mer, qu'ils soient solides ou liquides. Ces espèces sont liées aux dégâts infligés aux communautés de poissons et aux écosystèmes aquatiques. Et elles vont compétitionner largement avec les espèces en présence, voire même éliminer certaines espèces. Donc, on a un débalancement au niveau de la biodiversité du fleuve, parce que ces nouvelles espèces, de façon très rapide, vont s'implanter et imposer leur rythme de population. La moule zébrée a été introduite dans les Grands Lacs en 1986 par la vidange des eaux de ballast. Cette espèce a la capacité d'envahir les habitats aquatiques. La zébrée, entre autres, ça a pris à peine 5 ans pour envahir l'ensemble du corridor du fleuve. Et malgré les difficultés qu'elle avait à s'établir initialement, maintenant, elle est très bien adaptée. On la retrouve partout et sa dynamique est directement liée au niveau d'eau. Les années de fort débit, de fort niveau d'eau, sont un petit peu néfastes à la mousse zébrée. À l'inverse, les années où le débit est faible, le courant d'eau est bas, ça favorise la colonisation. Certaines espèces fauniques sont utilisées par les chercheurs comme bioindicateurs pour évaluer la qualité des habitats. Ces indicateurs nous donnent un aperçu de l'état du fleuve, des pressions qu'il subit et nous permettent de comprendre la vitesse et l'ampleur des changements induits par les activités humaines. L'anguille de l'Amérique, tout comme le beluga, sont deux espèces aquatiques qui sont utilisées comme indicateurs de la santé de l'écosystème du Saint-Laurent. Depuis la fin des années 80, on a commencé à avoir un déclin dans le nombre d'anguilles. Et ce déclin, est catastrophique. À un point tel que l'anguille fait maintenant partie sur la liste des espèces menacées pour le fleuve Saint-Laurent. Les bélugas sont le dernier maillon d'une chaîne alimentaire, de sorte qu'ils consomment toutes les substances toxiques accumulées chez les autres espèces, dont l'anguille d'Amérique. Le Dr Pierre Bellan se spécialise dans la recherche sur les bélugas. Il discute avec nous des impacts de l'activité humaine sur ces baleines. Si on se met à la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent et qu'on remonte dans le Saguenay à peu près 50 000, on trouve la plus grande concentration au monde d'usines qui fabriquent de l'aluminium. Et à partir des années 30 jusqu'à récemment, ces usines ont envoyé des tonnes et des tonnes de HAP et de benzoapyrène dans le Saguenay et dans le Saint-Laurent. Et comme ce benzoapyrène est un des cancérigènes les plus puissants connus, on a conclu qu'il y avait un lien entre le haut taux de cancer chez les bélugas et l'origine de ces produits toxiques. Nous avons effectué une croisière dans la région de Tadoussac pour découvrir l'habitat de ces majestueux mammifères. Le capitaine Steve Servant a observé dans les dernières années un changement dans les populations de baleines. Beaucoup de populations aussi dans le beluga. Plus ça va, plus que la population des baleines, ça augmente beaucoup, beaucoup ici en Saint-Laurent. Mais d'un point de vue scientifique, Pierre nous explique que la population des bélugas n'a pas augmenté, mais est plutôt demeurée stable. Depuis une quinzaine d'années ou 20 ans presque, il y a une controverse sur le nombre de bélugas dans le Saint-Laurent. On sait qu'il y a eu une diminution considérable depuis le 19e siècle jusque quelque part dans le milieu du 20e siècle. Il y a maintenant environ 1000 à 1200 animaux. Il n'y a aucun signe d'augmentation depuis qu'on a commencé à travailler avec ces animaux en 1982. Il faut considérer que les menaces que nous venons d'invoquer constituent une partie de la réalité puisque les autres menaces,
ne sont pas nécessairement visibles. Peut-être un des messages les plus importants qui nous vient des bélugas, c'est de constater que les menaces qui nous guettent ne sont pas toujours visibles et faciles à voir et à contrôler. Si on regarde le Saint-Laurent ici, personne ne croirait qu'il est contaminé. Personne ne croirait qu'on pourrait trouver sur les rives un béluga qui est plein de produits toxiques. Si on regarde l'atmosphère, on sait qu'aujourd'hui, avec les gaz à effet de serre, le CO2 est une menace, mais on ne le voit pas. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être vigilant, il faut encourager les gens à faire de la recherche scientifique, à aller découvrir le monde et essayer de trouver des façons de régler ces problèmes qui ne sont pas toujours évidents. Malgré tous ces défis, on commence à voir des résultats concrets. On doit cependant poursuivre le travail pour garder une harmonie entre les éléments qui contribuent à la qualité des écosystèmes. Les gestes qui ont été posés, c'était des gestes pour vraiment pour protéger les habitats. Et c'est ce qu'il faut aller faire, finalement. Est-ce que maintenant, la récupération au niveau de l'habitat, des espèces et tout ça est complète? Non, probablement pas. Mais sûrement qu'on a posé les bons gestes pour aller de l'avant pour que la qualité... La qualité de la faune et de la flore s'améliore. Le Saint-Laurent est riche en diversité d'habitats et d'espèces fauniques. Et l'évaluation continue de certaines espèces clés nous informe régulièrement sur l'état de santé de cet écosystème. Comment pensez-vous que l'état de santé d'un écosystème peut affecter notre santé?